L'ambiance jazzy à la muerte. J'adore. Allez, on va jouer. Fallait que j'atteigne les égouts, c'est ça? Oh mon Dieu, je suis dans Paris. Paris, une fête. Paris sera toujours Paris. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Et je les ai tous butés sans m'arrêter. Quoi? J'ai entendu un bruit de... de porte, je sais pas quoi. Duchon, hôtel des ventes. Non. Lassez la Provence sur votre peau. Oh le rat. Académie du fromage de Paris. Ah oui. C'est collector. Mais pourquoi je l'ai pas vu ça? C'est génial. Académie du fromage de Paris. Journée porte ouverte. En mars 2052. Chaque lundi et mercredi. Mais c'est trop bien. Duchon, hôtel des ventes, 13 février 2052. Aux enchères, la dernière caisse de Chianti de Querengrosso, Toscane, Italie, année 2015. Les cons. Oh la vache. Oh, c'est de la balle. Mon Dieu, c'est une collision. C'est quoi le panneau? Ah oui, piéton. Oh, oh, oh. Putain, j'avais pas vu. On est devant chez qui? Attends, 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 déconne pas. Et si j'ai un explosif, je peux... Putain, j'avais pas vu qu'il y avait une porte qui s'ouvrait. La 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 la. Mais y a pas de caisse d'explosifs qui traîne là? Non mais les cigales ici c'est abusé. Le son est trop fort. Vous avez complètement déchiré votre froc, les concepteurs. Pas de caisse explosive, y'a rien. Tu vois, je parcours tout le niveau pour rechercher une caisse explosive qui n'existe pas. Non, bah, je vais pas retourner dans les catacombes chercher une caisse de TNT. Non, je suis deg, y'a pas. Da do da di do di do di. Oh le pauvre SDF. Là y a pas de. Mais non y a pas d'explosif. Vous êtes nuls, vous êtes nuls. La station de métro, je crois pas qu'il reste des explosifs. Sont où les chiens? Je vais les patater moi les chiens.
Je vais patater les chiens. Oui, bah tu parles, de toute façon, il n'y a pas de compte en clair, alors... Je pirate. Je pirate. Il y a des nouvelles dans l'info publique ou pas? Non. Comme s'il suggérait que tu pouvais grimper. Non, y'a rien, faut arrêter de déconner. Le mec il cambriole des apparts à Paris. C'est pas bien, si y a une conne. C'est très très vilain. Non, mais sérieux. J'ai pas une caisse explosive pour faire péter la porte. Oh là là. Sinon, c'est quoi ces 4 passe-partout? Non, ah non, 2 passe-partout. Bof, allez. Avec un peu de chance, ça vaut 2 passe-partout. Tu vas voir, c'est de la merde. Je vais être complètement déçu. Oh putain. Oh. On est où? Oh. On est où? Waouh, c'est pas un petit intérieur? Putain, mais c'est beau en plus! Waouh! C'est le style à la française, c'est ça qui est beau. Toi aussi, tu aimes? Non. Non! Non! Je rêve. Oh, oh. Oh, les filous. Oh la vache. Le petit prince de Paris. Mais qu'est-ce que j'entends? Il y a un truc qui fait un boucan d'enfer. Ils ont mis un mur invisible, les cons. J'ai pas le droit de... Oh la vache. Je visite Paris autrement, s'il vous plaît. Non mais c'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé. Et là... Ah, je saute sur la... Oui. Je saute sur la fenêtre d'appartement. Je fais n'importe quoi. Tiens, du coup, je suis blessé. Bien fait pour ma gueule. Alors, attends. C'était où? Non, là, c'était Page... Page Industries. Je les ai cambriolés. Merde. Il était où, le... Je sais plus. C'était où la porte? Ça m'apprendra à faire le con dans Paris. J'ai oublié où était l'endroit où je faisais le con. Surtout que j'ai tracé dans l'intérieur sans... Voilà. Sans faire l'entrée. Et l'entrée, il y avait un truc. Enfin, il y avait des trucs. Non, là, il y avait que puic. Cigarette, je m'en fous. Non, en fait, il n'y avait rien. Non, en fait, ça débrouille un accès. Donc, à mon avis, je vais recharger ma partie parce que... Je vais lire le journal, d'accord, mais je perds 2 passe-partout. Et encore le journal, à mon avis, pas combien que je l'ai déjà lu. Ah non, The Atlantic Standard, édition internationale. Le gouvernement français justifie le matériel de Marseille à Paris, page 2. Le président Meade fera son apparition à la conférence des modifications, page 3. L'UNEDCO répond aux accusations concernant les opérations de New York, page 3. Le Québec annonce un référendum pour 2053, page 4. Oui, vive le Québec libre. Mots croisés, puzzle et concours cryptographique, page 5. Putain, c'était le Figaro.
truc qui m'apporte rien. Je peux aller par là aussi. Ah. Oula. Merde! Enfin bref, de toute façon je vais recharger mon truc. C'est... Voilà, j'ai le journal, mais c'est deux passe-partout perdus pour rien. Y a rien d'exceptionnel là-dedans. Bon, les égouts. C'est quoi les instructions? Parce que je fais le con, mais... Trouvez Nicolette Duclar, elle flaconne la boîte de nuit, la porte de l'enfer. Entrez en contact avec les Illuminati à Paris, ouais, bon. Bref, faut que j'aille dans les négos. Hein, quoi? Faut que j'aille dans les négos, de Paris. Je dois la voir en plus. Mais oui. Dégueulé. Bon, apparemment, faut que je retourne dans les catacombes. Et il y a un accès égout depuis la base des catacombes. À la porte des égouts. Ça c'est là d'où je viens. Mais ça c'est quand tu fais le tour. Les catacombes de Paris. La 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 li la li. Yeah. Mais je suis pas retourné dans les catacombes. Je vais aller dans les négous. Dans les négous de Paris. C'est où les négous? Merde! Putain, mais je suis perdu. Il faut que j'aille dans les égouts de Paris. Paris, pala, Paris, poudi. Je cherche à aller dans les égouts. Et là, je me tape les catacombes. Dada, are you ready or not? Are you ready to shock? Mais c'est pas chez eux qu'il y a un accès aux égouts en fait, au MJ12. Attends. Ah bah là j'ai une caisse de TNT.
Il n'y a pas la machine encore? Ah si, ah oui, mais elle est désactivée, je crois. Non, c'est pas... Oh! J'ai cru que j'allais passer au travers. Ça, ça m'a fait flipper. Merde, mais comment je fais pour accéder aux égouts de Paris? Si je passe devant, il me bute ou pas? Parce qu'il est dit hostile. J'ai pas reparlé au sans domicile fixe là. Oui, ma couille. Ok, so you want to buy something? Ah oui, c'est vrai qu'ils vendent des trucs. Medikit 600, fléchette 200. Maybe later. On aurait pu. Aïe, aïe, je me suis brûlé. On aurait pu papoter. Oh, c'est le bunker 2 ici. Ouais. Oui, bah, crotte. Tiens. Tiens. Oh, mais con, c'est rare. Je connais les trois bunkers de Paris. Tibidabidabidi. Merde. Merde, merde, merde. Oh, ça fait chier. Je cherche l'accès aux égouts. Je suis perdu dans les catacombes. Et merde. Crotum, chutum, merdum. Mais sérieusement, mais j'ai quoi? J'ai pas un plan? Ah si, j'ai un plan. Quoi? Oh, il m'avait donné des infos, je savais même pas. Oh le con, j'ai complètement zappé. Je m'en fous, je les ai tous patatés. Les catacombes de Paris. Alors, bunker 1, bunker 2, bunker 3. Je sais pas ce que c'est. Alors là, il y a sortie, là, il y a sortie, là, il y a sortie, là, il y a sortie. Ah, là aussi, il y a une sortie. Alors, attends. Je vais aller soit à une extrémité, soit à un bunker. Dégouze. Barre chocolatée, soja utilisé. Ah bah attends. Oui, je peux en manger, je crois. Ouais, ouais, c'est pas grave. Alors attends, pause. Ici, si c'est le clodo, c'est le... Non, c'est pas clodo. Ah, bunker 2. Ici, c'est le bunker 2, d'accord. Attends, je tourne le dos au bunker 2. Donc, bunker 2, il est là. Je vais aller dans un plus si je vais là, c'est ça? Ouais, on va appeler ça le plus. Oui, ouais. Bon, je sais pas si ça y ressemble, mais... Il y aurait une sortie. Ah bon? Sérieux? Ah, d'accord. Ça, c'est la sortie qui est condamnée, qui est en rouge. C'est le 8e arrondissement de Paris. D'accord. Mais c'est une sortie qui est condamnée. Donc, soit j'ai la sortie là, soit j'ai une sortie là. Donc attends, je peux essayer. Si je me casse par là... Attends, ils ont dit comment? Merde. Ouais. Ouais, il faut que je fasse le corridor de la mort qui tue et... Et je l'ai. Alors attends, je fais le corridor de la mort qui tue. Ah oui! Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah bah c'est ça les égouts. C'est ça la suite. J'ai trouvé.
Je suis dans les égouts. Et il y avait quoi au bout en dehors de la porte? Il y avait quelque chose ou il y avait de la merde? Apparemment, il y avait de la merde. Ouais, c'est le truc où je peux pas passer. Mais c'est pas grave, je vais prendre la... Hop là! Attends, je descends tout doucement parce que... Je sais pas dans quoi je vais. Il y a du peuple ou je suis en solo? Je pense que je suis en solo. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Le bordel à Paris! Ah, le journal. Putain, on trouve le Figaro partout. La police investit les catacombes. L'investigateur de Paris. Un peu plus tôt dans la journée, la police a investi les catacombes, pénétrant dans les tunnels souterrains par les entrées de d'Enfer-Rochereau, du Port-Royal, du Trocadéro, entre autres, dans le cadre d'une opération visant à démanteler le groupe terroriste Silhouette. Certaines de nos sources, au quai des Orfèvres, nous ont révélé que, depuis l'institution de la loi martiale, le nombre d'incidents terroristes avait décliné, mais que le groupe Silhouette restait actif, faisant référence à leur campagne de la vérité. Loin d'être un petit groupe d'inoffensifs réactionnaires, Silhouette représente au contraire une menace réelle et permanente contre la sécurité publique, a déclaré en substance l'inspecteur Gabili, chargé du dossier. En dépit de l'étroite surveillance qui a précédé le raid, la police n'a découvert que peu d'indices sur la présence de Silhouette, mais a en revanche capturé un certain nombre de dealers, prostituées et autres suspects. Quoi qu'il en soit, l'opération est un succès, a insisté Gabili. Nous avons établi aux yeux de tous que Paris, en surface ou sous terre, ne sera jamais un havre de paix pour les extrémistes et les voleurs. Trop drôle. Bande de chagouins. Oh, qui me parle? Bah tu me rassures que je suis sur la bonne route, dis donc. T'as vu tout le parcours que je viens de me faire? Attends, ça fait 20 minutes que j'ai démarré l'enregistrement là, et puis je voulais seulement que j'ai trouvé les égouts. Ouais. Moi c'est bien, je me serais amusé dans Paris, mais... Oh bordel. Ouais, à mon avis, c'est par là. Et là-bas, c'est quoi? Parce que moi, je viens de là. C'est quoi ça? Oh, passe-partout! C'est un barrel. Un baril de poison. I got the poison! I got the remedy! I got the water, whatever, the remedy! I got the poison! I got the remedy! Allez, sauvegarde. Non? Ah non. Je pensais qu'il allait sauvegarder, mais non. Oh là 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 là. Ah, ça y est. Paris sous la loi martiale. Putain, ça fait envie. Oh non, j'entends des bruits de pas. Putain, je suis dans la... Ah, puis je peux pas revenir en arrière. Oh, les salauds. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? These sewers can take you anywhere in the Champs-Élysées, where you will find the club. I just got an unexpected message from Jaime Reyes. He's at a café and wants to see you. He says it's urgent. The café address is number 19. Et ça, j'en attends. Above, I'm showing MJ-12 troops and the Paris police. Also some bots. The police won't bother you, but stay away from the troopers. Nouvel objectif. Oh là là. Alors, rencontrer James au café de l'immeuble 19, ça c'est l'objectif secondaire. Ouais, sinon, ouais, il faut toujours que j'aille rencontrer Nicolette Duclar. Je vais aller voir James au café immeuble 19 d'abord. Je néglige jamais les objectifs secondaires. Gauche ou droite? Ça a l'air sombre, ça m'excite. Et là, un alligator. Je me demande si ça doit être une légende pour décourager les gens à se promener dans les catacombes en vrai. J'avais entendu parler qu'il y avait un alligator qui se promenait, enfin un crocodile, dans les souterrains parisiens.
Mais je pense que c'est une légende urbaine pour foutre la frousse et dissuader de se promener. Attends. Merde! Oh! Oh, il fait nuageux ce soir sur Paris. Bonjour. Oh, l'arc de triomphe! C'est quoi ce cyber-soupir? On en a marre des cyber-soupirs. Putain, discrétion zéro. Oh la vache, y'a des chiens. Je suis dans la merde, y'a des chiens. Attends, je vais aller voir de l'autre côté, on sait jamais. J'ai peut-être mieux de l'autre côté. Attends, c'est quoi ça? Merde, je sais plus d'où je viens. Attends, je m'étais déjà perdu dans les catacombes, maintenant je me perds dans les égouts. Attends, mais il y a combien de chemins? Bar, mais c'est plus calme ici. Je vois quelque chose, mais je pourrais pas dire quoi. Bizarre. Bon, m'en fous, j'ai les clébards. Ça me fait un casse-couille en moi. Ouais. Les biches, je m'en fous. Ah, c'est un, j'allais dire, c'est un croche-patte. Un passe-partout, ouais. Ça me sert. Attends, j'ai l'impression d'avoir passé une porte latérale coulissante, mur secret, mais non. Ouah, pourquoi c'est payant? Pourquoi? Si elle est verrouillée, c'est que stratégiquement elle est très importante. Donc je dois la déverrouiller. Je dois la déverrouiller. Attends. Oh, c'est beau. C'est qui lui en vert? Ah, c'est un policier. Oui, les policiers vont pas me chercher, les noises. Attends, c'est quoi ça? Putain, mais il est magnifique ce Paris-là! Fais voir mes points de compétences. Je suis en train de me poser des questions. Ah ouais, 6000 pour plus faire de crochetage. Ouais, peut-être. On y arrivera, ma couille, on y arrivera. J'aime bien. Un agent peut abattre une cible en un coup à plus d'un kilomètre de distance. Là, tu me vends du rêve, là. Terminator fait pas aussi bien. Ya 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 ya. Je m'en fous, je les rends fous, je tire partout et on dans le coup. Je dis oui. Je dis oui.
les salauds. Merde, lui il va me boire. Oh chier. Je peux me faire la lune à la lunette. Oh la lune! Et dire qu'initialement ils avaient pensé à faire une mission sur la lune. Putain, ça aurait été nimp. Ça aurait été complètement délire une mission sur la lune. Nom de jeu. Alors. Non mais c'est obligé, faut que j'en snipe. Holy boule. Le graffiti derrière, il est magnifique. Attends, faut pas que je regarde le graffiti. Je crois que je l'ai eu. Moi, je l'espère. Alors... À Paris, tigad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 adig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 ad
Okay, drop him. Merde. Là, c'est con, je peux où je suis. Je me suis désorienté. Ah, les flammes de l'enfer, pas mal la vue. Nothing here now. Faut que je regarde en visant l'arc de triomphe. Getting too old for this. The one. Okay, drop him. Mais je devrais pas brûler, je suis dans l'eau. Oh merde. Là, j'ai pas compris. Merde. J'ai pas pris les chaises dans le bon sens. Je l'ai eu et c'est drôle. He's gone, not our problem. Tu le fais pas dire. Pas compris. Je sais qu'il y a le robot, mais il n'y a pas des grenades. Attends, il y a... Alors là... À mon avis, c'est pas une machine, c'est un mec, là. Il a dégainé à vue, c'est possible. C'est pas possible. I have nothing. Repeat. Hey, stop right there. Nothing here now. Oh.
Surtout, ne te retourne pas. Merde, quelqu'un m'a vu. Watch yourself, this one's some kind of mech. Je sais pas qui c'était, mais c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Attends, ils sont plus nombreux que ce que je pense. Hein. Il faut que je fasse gaffe. Sinon, je me fais allumer le cul. Ça c'est suspect, ça dépasse du mur. Ah, on a essayé de me poing. On a essayé de me poing à la fléchette. Ouais. Ah oui, un petit décodeur, c'est gratos. Bah oui, c'est cadeau. Ah, tu parles, c'est pas pour un décodeur. Alors... Oh, je suis en joie. Je suis en joie, je suis en joie. Oui, bon, on peut toujours prendre un... Toujours ça de prix, mes amours. Infocube, bienvenue à Paris, la ville lumière. Cette carte vous aidera à vous familiariser. Ah, image plan du métro de Paris ajouté. Ah, bah c'est bien ça. Cette carte vous aidera à vous familiariser avec le quartier des Champs-Élysées, cœur culturel et spirituel de la capitale. Alors que du jour, la plus belle avenue du monde est un centre animé de boutiques et d'administration, elle se parle la nuit de ses plus beaux atouts. À moins qu'elle ne fasse en fait que se découvrir. Cœur battant de la capitale avec ses cafés, ses clubs, ses théâtres et ses cabarets. Et alors que la plupart des visiteurs s'arrêtent au scintillement de la nuit principale, ceux un peu plus curieux s'aventureront hors des sentiers battus du quartier en s'efforçant dans les allées sombres et les ruelles obscures, loin des lumières de la ville et de l'ordre sauvage des groupes de touristes. Paris, serait toujours Paris. Et le piratage serait toujours le piratage. Alors, désactiver les robots militaires ou activer les robots militaires. Attends, je vais les activer. Email. Non, il n'y a pas d'email. Non, allez, je vais les désactiver. Font chier les robots militaires. Ça y est, il est en panne le Mickey. Merde, y'a un mec là-bas. Qui est-il? Putain, là comme ça on dirait presque un Terminator avec les yeux rouges. Non, j'ai loupé. Mais non. Putain, mais c'est une blague! Le mec, je le bute pas! C'est pas possible! Il y a un bug de collision! Lance-flamme, non, lui il avait rien, donc il peut crever. Un gagnant est tu, whining for men. De Charlie Green. La bonne blague. La bonne blague. On a dit quoi le 12? Non, le 19. Je suis au 15. C'est toujours le 15. Putain, c'est bizarre Paris. Quoi? C'est la Fashion Week. Putain, c'est quoi ça?
Arlette Laguiller, non. Oh non, en 2052 dans Paris, encore une affiche Arlette Laguiller. Non mais franchement. Non, énorme. Alors, samedi 2 mars, invité spécial au Lounge. Lounge en clé, non, c'est ça. Ricard Brie. Club Larche. Connais pas. Oh, c'est le métro. Métro, c'est true. Ah! Mais c'est con, il y a le 15 partout, en fait. C'est la même adresse, mais il y a 4 portes. Encore, j'ai fait que 2 façades. Mais pas complètement. Il y a un vélo. CJ Denton va s'échapper en vélo. Trop bien. Ah, bicyclette. Oh putain, le robot, il fait peur. Bouh. C'est le métro, le métropolitain. Oh, quoi qu'il y a. The government has restricted access to the metro. You'll have to get around on foot. Tais-toi. Ouais, il voulait faire du métro. Après le métro de New York, c'était bien le métro de Paris. Ah, c'est pigeon. C'est qui lui? Ah, c'est un policier parisien. Un spectacle. C'est la police nationale. Ah ouais, c'est la police. Chez la police. Oh mon dieu. Enfant terrible. Ah mais c'est pas ça le... Non. Attends, qui est où? Non, voilà, attends, James au café de l'immeuble 19. Enfant terrible. Ta gueule, ta gueule. Quand t'aimes pas les sirènes. Ah, bah y'a la plaque d'égout pas loin là. Ça me rappelle la vue que j'avais. C'est beau. Chez Fleur dans Paris. Voilà. J'ai un accès aux égouts ici, ça me va très bien. Pas chaud, monsieur Léger. À un moment, j'ai cru que c'était un affichage digital, le balcon. Je crois que c'était un truc du genre le Téléthon. Bon, lui, je vais me le faire gratos. Lui, il est offert par la maison. Je me demande si c'est pas le mec qui a essayé de me courser au loin avec les fléchettes. Je me demande. Encore accès aux égouts, tranquille. Tranquille. Mais je crois qu'il n'y a plus d'ennemis. Les ennemis, c'est fini. Attends, je vais pas courir non plus. Merde, j'ai oublié. C'est le 19, hein, qu'on m'a dit. Oh, carnaval ubuesque. Bon, je prends des risques. La roue, elle, là, je la connais pas. Carnaval burlesque. Oh. C'est bien, il y a des choses à Paris en 2052. Union City Fashion Week. Yeah. Quoi? Merde, faut que je bouge. J'ai été repéré, qu'est-ce qui se passe? Panique. Panique, panique. Mais sérieux, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Petit con. Est-ce qu'il aurait pu me buter? Donc,
ma promenade nocturne dans Paris, hein? Ça vaut tout l'or du monde. Lâchez-moi la grappe. Attends, c'est quoi le numéro? Attends, je vais le lire à la lunette, le numéro. Bouge pas. C'est le 15, non, c'est pas bon. Mais quelque chose me dit qu'on peut monter, vu ce que je vois dans les fenêtres. Oui, il y a un appart à visiter, là. On voit qu'il y a des intérieurs qui ont été programmés. C'est la Fashion Week. C'est la Week Fashion. Allez, on va se faire une visite de Paris. La. Les beaux quartiers de Paris. Merde. Merde, merde. Il faut que je fasse sauter la porte. Ah. Cette déception dans ma voix. Je peux aller au commissariat. Bonjour monsieur l'agent, je veux porter plainte contre le MJ. Clear the street. Pardon? The metro is closed until further notice. You speak English with a French accent, of course. Remember to stay within your arrondissement after dark. The security boats have been given the faces of over 1,000 terrorists. The city will not take responsibility for mistaken identity. Ah là là. You would be safest in your place of residence. Ouais. We have asked business owners to close down. Tonight is not the best night to enjoy Paris. Et là, je lis que c'est Rachida Dati qui est maire depuis un quatrième mandat en 2005. New travel restrictions. Consult the papers. Yes, because I want to visit commissariat local de l'arrondissement de Paris, where I am here. Non mais je t'emmerde, c'est un service public, j'ai le droit de rentrer. Non mais, c'est beau qui rentre. C'est assourdissant. Et qu'à l'ustate plaît. Non, c'est vrai. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur l'agent. We have reports of terrorist activity. Stay inside. Ok. Merde. Oh, pardon. J'ai marché sur le robot nettoyeur. Only a few businesses are open. Not much to do tonight. Oh merde, y'a pas de drag queen. Enfin, je suis con, des drag queens, c'est du côté de Toulouse. Et je me demande si je peux pas faire un casse dans le commissariat. Oh, c'est temps de faire des conneries à Paris. À Paris. Mais c'est trop petit. D'accord. Monsieur, je revendique le droit de faire le con. Keep moving. Ouais, je peux pas aller dans la police. C'était rigolo. Monsieur, s'il vous plaît. La France. Attends. Ah oui, j'ai eu peur, j'ai eu. Voilà. Keep moving. Voilà, ça c'est la France. Oh, ce pigeon. Cologne sur mer. Putain, trop bien le parfum. Cologne sur mer. La Provence sur votre peau. Oh merde. Oh, jolie poupée.
qui c'est en intérieur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? A digital media store. Don't waste your money in those places. You can get anything you want for 2 credits on the black market. Ah! Qu'est-ce qu'il dit? Allout. Trop... Elle est bonne, la vanne. Il est bon, lui. The Horror Storm. Oh yeah. Tous les robots qui sont jaunes. Il y a un terminal de banque. Ce qui sous-entend qu'il y a un casse à faire. J'ai pas employé exprès une grenade, quoi, de me raccrocher. Attends, c'est bizarre, j'ai l'impression que la porte d'à côté s'ouvre aussi. Non, c'était une illusion. Et juste une illusion. Ta-di-da-di-du-du. Allez, petite course. Oh, y'a pas grand monde ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, the Paris nightlife. Have a taste of wine for me, JC. Trop bien. Oh non, trop bien les répliques. Bonjour, madame. What would you like? Everything 10 credits. Au moins vous, vous restez ouvert durant le couvre-feu. At least one cafe stayed open during the crackdown. We will never close, no matter what. Is there some kind of curfew? Not yet, but the police programmed the bots to shoot anyone who leaves his arrondissement after dark. Have anything to eat? Did you change your mind? Sorry, no room. I can't carry anything else. Oh, Christy! C'est mignon comme prénom. Mais en France, je suis surpris qu'elle l'ait pas en CHE. En CHE, en CH, au lieu d'un K. Alors, le scandale de l'île dormante refait surface. L'investigateur de Paris. Le Figaro ou... ici, Paris. Bref. Des accusations de malversation au sein de l'administration du président Bourges... Monory. Non, attends. Le président Bourges Monory. Non, il a succédé à... Emmanuel Macron. Non. On récemment fait la une de plusieurs tabloïds, associant certains ministres au scandale de l'île dormante qui avait entraîné la démission et la retraite politique du président Serra il y a 5 ans. Ah non, c'est Serra qui va prendre le relais après Emmanuel Macron. L'île dormante, une villégiature luxueuse sur la côte d'Azur, avait été le cadre de rencontres clandestines entre le président Serra et des membres connus de la famille Zouganov. Un gang criminel organisé, rencontre organisée pour mettre au point les détails d'une opération financière visant à faire absorber discrètement aux banques françaises près de 3 milliards de crédits d'argent sale. L'accord avait apparemment été négocié par une cabale de grands pontes des banques françaises, dont notamment la regrettée Bette Duclar, pilier du monde de la finance, même si son application n'a jamais pu être complètement démontrée. Certaines sources suggèrent à l'époque que tout cela n'était que le résultat d'un complot des Bilderbergs, une présumée société secrète composée de riches et puissants industriels formée après la Seconde Guerre mondiale. Le président Bourges Monory a qualifié les accusations de grotesques et ceux qui les ont formulées d'irresponsables pisseurs de copies, se refusant à tout commentaire supplémentaire. Putain, mais c'est trop bien. Bonjour, monsieur. C'est quoi votre journal? La police investit les catacombes. Ah non, j'ai déjà lu ça. T'es qui, toi? James Reyes. Ah, mais c'est mon copain. Attends. Ce nom me dit quelque chose. Rencontrer James au café de l'immeuble 19. Attends. Pardon? On a dit l'immeuble 19, hein? Je suis au... 19. J'ai rien dit. Oh merde! Eh ben non, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. He's our son. We can't have him murdering people from this majestic 12. He's not a child anymore. This cult? At least he has a position. He's safe. Any organization with anonymous leadership. They might control Europe for decades. Michelle will have to survive somehow. I would rather he die with the rest of us. Quoi? Joshua! Ça va pas, non? Vous êtes fou, monsieur Joshua. I couldn't help overhearing about your son. The others, yes. Majestic 12. Whoever they are. When you have the use, you have everything. Joshua, be careful. You don't know this man.
I will not hide under a rock. You have nothing to fear. I would like to see the end of Majestic 12 as much as you would. I was just surprised to find a Parisian who has heard the name. Well, my son, you know. I learned what I can about him. What else have you found out? You are one of the revolutionaries, huh? Maybe you can do something with this. Street Station 17 and Werewolf from a car in his wallet. I think it is the logging for the guard shack up the street. What about Michel? You'll get him killed! He was the one who wanted to be a soldier. Intéressant. That is what I know. Non, non, madame. You've done enough. Go! I get you, babe. Oh, poor Michel. Oh, enough. In your heart, you are a father. How dare you let politics... I am a Frenchman. Yes. You have abandoned your own son. Perhaps I want to take the metro to see my mother, yes? Should I forget mother and my own freedom to travel so that Michel can have a small salary? These are difficult times, I don't deny it. He and his new friends murdered the Loredan simply because the old man ran a journal. Next time, he will come to murder us. If you see him, tall, you know, dark hair, don't shoot, he's our child. Oui, mais s'il porte un casque, je suis désolé, je pourrais pas clairement l'identifier, je vais le buter. I know, they all look the same in those uniforms. Bah voilà. Bah oui, ma pauvre. I have helped you to kill my own son. Is that not enough? I said go. Salut, John. Bonjour, monsieur. Oh, c'est chou. Papa forbids me to talk to strangers. Leave me alone. Cette voix, elle est épique. J'arrive même pas à l'imiter. Oh, piano! Yeah! Comme chez Maggie Show. Putain, je massacre la musique qui est magnifique. Bon, j'ai une mission à accomplir, merde. Oh, j'avais pas vu le côté du piano. Putain, c'est beau. Oh, les portraits à Paris, c'est beau. Ah, mais c'est la police. Non, ah non, c'est un tabac. C'est où le tabac? Ça, c'est trop bizarre. Trop space. Il y a de ces images. Ah, ça, c'est la France, monsieur. On voit un clocher d'église dans un patelin. C'est beau. Oui, vous êtes français. Je dirais. Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans votre cuisine? Oh, des cuistots. Bonjour. If you have a request, talk to my assistant Raymond. He always seems to be looking for something to do. Ah bah je vais demander Raymond. If you want a job, talk to Christy. Ah yes, it is of course. Mettez-vous du beurre. Oh, une recette. Mais c'est génial. Oh mon dieu. C'est la recette du coq au vin. Ah non, il y a du cognac. Ah si, c'est le coq au vin. Un coq d'1,5 kg en morceaux, 5 centilitres d'huile, 50 g de beurre, 30 g d'oignon et 2 gousses d'ail, 50 g de farine, 5 centilitres de cognac, 100 g de petits oignons. Bah, vous avez déjà mis les oignons, ça va pas, non? Ah, il y a oignons et petits oignons. Ah oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Très juste. Un demi-litre de bourgogne rouge, 100 g de lard fumé et 185 g de champignons. Je suis sûr que c'est une vraie recette, en plus. Faites revenir les morceaux et oignons dans l'huile et le beurre. Saupoudrez avec la farine, oui, c'est ça. Mouillez avec le cognac, flambez, versez le vin, assaisonnez et mettez des gousses d'ail finement hachées. Faire cuire une heure. Laissez refroidir jusqu'au lendemain. Réchauffez à petit feu. Au moment de servir, en ajoutant le lard fumé coupé en dés, les petits oignons dorés au beurre et les champignons cuits à part. Servir avec une garniture de pommes paille. Putain, vous me donnez faim. Ah, manger français. Je dis oui. Oh, on a faux cube. Alors, Navi 008 Blue, enfin machin, blue, version 428 Obélix. Ce navigateur est la propriété de Pierre Boulle. Si vous le trouvez, merci de l'envoyer à Pierre Boulle, 74 rue Montaigne, ou contactez P. Boulle sur le net parisien. Alors, liste de trucs à faire. Ticket pour Cavaliera Rusticana le 21 juillet. Rencontrer Tracy aux enfants terribles. Ah ouais? Rencontrer Tracy aux enfants terribles. C'est original, ça. 18h30. Nouveau CD de phrases du brasseur. Nouveau compte, succursale du 41... Ah merde! Il y a un compte en banque. Nouveau compte, succursale 14e arrondissement. Oh putain, j'ai des coordonnées d'un compte bancaire à pirater. Chocolat et 34 7... Quoi? 34 7 Corbeau Est.
Sauvignon blanc pour Marie. Chargé patch de sécurité Navy 431. Putain, c'est trop bien. Oh mon dieu! Inspection. Je suis l'inspection de. Merde, comment on appelle ça? La répression des fraudes. Je suis le contrôleur. French boulot, Betty. What would you like? Everything 10 credits. Non, allez, oubliez ça. Attends, j'ai pas regardé derrière ton comptoir, ma cochonne. Alors, on met pas de collant? GOG, oui, GOG. Putain, les distributeurs à clope et à soda. Hein? Choper le cancer avec ça, mes amours. Alors, je vais être très pute, je vais te parler dans le dos. Thought you could run off for a weekend in Paris without me, hein? Call me nostalgic, but the nightlife seems to have lost its old charm. Yes, but I didn't trust anyone else to deliver this warning. Not even Alex or Tom. What happened at UNATCO? They intercepted a message Alex sent to my home account. Instructions on how to find him in Hong Kong. I hope the message was encrypted. I destroyed my key store. Tong is safe. But they've been tracking you with an AI program. They've sent Gunther to assassinate you in Paris. Icarus. However, you don't have to fight Gunther or any other mechanically augmented agent. I'm prepared for a fight. UNATCO never trusted its augmented agents. Any mech can be stopped in his tracks with a secret kill phrase. Kill something's were standard issue, I gather. Gunther's is Laputin machine. Dug that out of the medical records before I left. Laputin machine. Easy enough. Thanks for looking out for me. Staying at the agency and all. Don't mention it. Trop bien! Mais il m'a donné de l'or en barre! J'aurais même pas dégainé un flingue contre Gunther. Juste deux mots, la putain de machine. Et la putain de machine va exploser, je te le dis, moi. At the sound of your voice, 400 milliamps will discharge into Gunther's midbrain. Pouf! I wasn't the only one who got purged. Carter's gone also. Carter, ouais. Il a pris des piles pour le foie, je crois. Questionable loyalty. Can you believe that? Carter! I think Simons was afraid he knew too much. Oui, c'est sûr. All of the older guys would let go. Anyone with non-UNATCO experience. Ah ouais? Carter told me he was going to contact Gary Savage of the X-51 researchers. I don't know how they know each other, but Carter said, Savage is right. It's time to do something about Area 51. You know Carter, taciturnus ever. Who knows what he was talking about? I'm going to stay here until the soldiers calm down. I saw Gunther leave the club a few hours ago. I heard he was asking about you. Be careful, JC. Ouais, promis. Merci, mon pote. T'es un vrai pote, toi. Je vais faire la peau à la putain de machine. La putain de machine. D'un explosif, ça va s'entendre. Alors. Non, tant pis, je vais prendre un passe-partout. Ouais. Ça fait plaisir quand il n'y a pas de caméra. Alors, qu'était-ce?
Alors, 00-1506, Naga 066. Alors, 00-1566, Naga 66, c'est ça? J'ai un doute. Non, c'est pas ça. On recommence. Alors, 00-1506 et Naga 066. Ah, voilà. Alors, le 00-1506 et c'est Naga 066. 300. Bah, je pense pas qu'il y ait un autre. Encore que. Une bière. Là, j'ai piraté 300. Qu'est-ce que je peux pirater plus? Oh oui! C'est horrible. Putain, je vais être pété de thunes. J'ai pas. Ah si, ouais, j'ai quasiment 12 000. Je suis pété de thunes, c'est officiel. Faut pas que je tombe dans les égouts maintenant. Cha, moi d'or. Lui, je l'avais fouillé ou pas? Celui qui avait essayé de me trucider, ouais. Oui, ça se voit qu'il y a un appart à visiter là. Ah, il n'y a pas de. Par contre, faut le faire exploser lui, apparemment. Faire exploser le bordel. Attends. Très chic. Neuro-shared eyes-up display. Oh mon dieu, Google a ressorti ses lunettes. Ça c'est pareil. Ça, alors ça capture d'écran, ça c'est stylé. Boulangerie centrale. Putain. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Not sure what you might find in these buildings, but if you break and enter, be prepared to deal with the Paris police. Quoi bon? Ah bah, je suis là pour visiter Paris. Vous avez pas vu Mirza? Pa pa la pa, oh la 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 la, pa pa la pa. J'avais pas vu Mirza. Oh la 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 la. Putain, mais je vais flinguer toute ma collection de passe-partout dans Paris. What? Oh yes, stylé. Tu vas pas me dire qu'il y a un soldat du MJ12. Non, il y a un mec, c'est tout. Oh, j'adore visiter Paris. Oh, les chiottes de Paris. Oh! Je sais pas où je suis, mais j'y suis. C'est trop bien Paris. Ça me plaît énormément Paris. Je me prends une armoire vitrée dans la gueule Paris. Quoi? Non. Pistolet lacrymogène, un oreiller. Un pot en terre. Cigarettes, un oreiller et des drapeaux.
quoi. Drapeau français. Oh yeah. C'est le drapeau de la France. Bada 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 bada. Pirater Euronet. Ah, on a enfin fait l'Europe. En 2050, il y a un internet spécial européen. Enfin. Alors, il y a des bons de crédit, un infolink. Oh là là. Pour la résistance, pour la France, vous allez parler, je le sais. Come with me to America. Oh, René. The pilot says I can bring one person. The United States is no fun. What about the coup attempt? Think about it, though. A small town in the Rocky Mountains, we would be together. Oh, yes, we could find the terrorists that attacked the White House. They could terrorize me and you could help. And be serious. The people are well organized in the mountain states, and they are justified in attacking the government. We will go to the northwest. You'd better promise me some guerrillas at least. You like to live dangerously, madame? Oh, ah oui. If you're looking for that crook with the weapons, he lives next door. You are very stylish. Okay, time for you to go. French madame. What about your mother? She is not prepared for the rugged life in the mountains. And I am? We're young, oh. We are ready to wrestle grizzly bears if we have to. My dear, grizzly bears have been extinct for decades. You know what I mean. Always a romantic. You never let real life interfere with your plans. It would be a test. What you are always wanting. A test of your love. Ah, romantique Paris. Bonjour, René. Hey, this is our apartment. Sorry, police spéciale anti-majestic 12. Merci de votre coopération, monsieur René. S'il vous plaît. De rien. Ah, c'est trop drôle. Je suis sûr que les... This is what would happen. Finding nothing but pine cones and snow in the mountains, we would take a bus to one of the cities and stand in line for sandwiches. But oh... In the rain, unemployed and without a home, having chosen to emigrate during the worst economic disaster North America has ever known. I already have work with the militia. The what? In America, the people have a long tradition of joining militias to keep their local communities safe and free. Ouais, les Noirs contre les Blancs. A soldier? At your age? I have been sipping my life away in cafes. I am going to plant my feet on the earth, hold a rifle to my chest, and dare any man to move me. There you go. Now you are sounding like a man. And if I say no, you're going to drag me by the hair all the way across the Atlantic. Yes, yes, I will. Oh oui. Vous avez des... Non. Putain. Non mais j'ai fumé 7 passe-partout. Vous le croyez ça? Sur les 20, j'en ai fumé 7. Paris, va falloir se calmer. Your apartment is very beautiful, René. René, you have bon goût, I think. toi avoir joué au loto, René? Toi pouvoir gagner gros? Oh yeah. Tiens, je vais aller me laver les mains. S'il vous plaît. Merci, monsieur.
Oh mon dieu, ce bureau! Oh non, l'œil d'Argonne de Jim Tace. Mon dieu, un roman. La piste battue par les vents incessants s'étale sous des cieux torturés de poussière. Seule cicatrice de cette terre aride qui s'étend à perte de vue sur ces territoires désolés de l'empire Norgolian. Les empreintes de sabots usées par les âges recouvertes des sables tamisés du temps luisent faiblement sur la croûte poussiéreuse d'un sol qui n'a jamais vu l'eau, pardon, je digère mon café au lait. Un soleil implacable projette ses rayons de misère du haut de l'incandescent firmament, à mi-chemin de sa révolution. De petits rongeurs errent ici et là, accomplissant sans ennui les petites tâches et quêtes quotidiennes de leur vie monotone. La poussière vaporisée sur trois autres montagnes en nuages aveuglants, pendant qu'ils transportent les pesants chargements de leur maître. Prépare-toi à étreindre tes créateurs dans les méandres torturés du Styx, barbare, halta le premier soldat. Embrasse d'abord le fou acéré de la mort, misérable, cracha Grinch. Je me demande si je l'ai pas lu dans un épisode précédent, au tout début, à New York. Ça me dit quelque chose, ce bouquin. Oh merde, j'ai failli passer devant sans jamais les ouvrir. Oh, c'est French Armoire, où il n'y a que des fringues. Oh. Non mais sérieusement, vous êtes pas sérieux les gens là. Putain, les passe-partout que j'ai fumés à Paris. Et on peut pas dire que j'ai une grande rentabilité avec. Hein. Faut arrêter la déconne. Oh merde, 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 merde. Va chier. Mais il est où ce con? Ah. Merde. J'ai fait un mauvais choix. Je suis déçu. J'avais fait le 015-06 Naga 066 là. J'ai le mouture de Gunther. Oh, comment je vais le buter? Y a pas une caisse de TNT quelque part. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Strange, we're picking up infrared pulses. Why would a bakery need electronic security? Y a une boulangerie qui est, je vais dire, qui est chaude. Ils tâtent des miches, les salauds. Non, qui est louche. La boulangerie centrale. Clear the street. Sorry, after police nationale, je suis à...
Quoi? J'arrive même pas à lire. New travel restrictions. Consult the papers. Aucun dit. Ils ont aucun doute. Mais... The metro is closed until further notice. Yes, I understand, but... where I am? The little building is a hostel. C'est une auberge? For backpackers. Sérieux? Sir, what is your business tonight? Not a good night to be on the street. My advice, get a room and wait for morning. Seriously? Wow. Keep moving. Remember to stay within your arrondissement after dark. Oh yes, it is. Ah d'accord, c'est la porte arrière du. Putain, j'aurais pu me faire voir par le M12. We have reports of terrorist activity. Stay inside. Alors, bah alors, pas bientôt fini de monter sur les bancs, vilain policier. Ça se fait pas. Et la jeunesse française, monsieur, vous y avez pensé? Donnez l'exemple. Salon. Not much to do tonight. Tais-toi. Tais-toi, je rigole. Oh, les styles lampions. Oh, un French monsieur. Sorry, all full tonight. Don't need a room, but maybe you can help me find a member of the group Silhouette. Her name's Nicolette Duclair. No, I know nothing about that. Leave me alone. I never heard of anything called Silhouette. I mind my own business. Attends, je vais vérifier ça. Ah oui. Effectivement, tu me déçois. Chose. Oh là là, il y a des étages. Oh, c'est trop bien. Il y a un type. Il me dit quelque chose de type augmenté. Il y a Renault. Il y a le barman de l'hôtel. Can I help you? Who are those guys over there? A couple of thugs. Ignore them. What would you like? Wine is 120, snacks are 5. A snack? Oh, wait a minute. I'm too loaded down to carry anything else. Why do you need so much junk? I'll go through it. Maybe there's something I can get rid of. Ah, comment qu'il me relance l'autre? Allez, je visite ton bar, mon cochon. Non, mais y'a rien de creusé en fait là-dedans. C'est un bar français. Hello. Hello. How are the drinks here? Great, if you like red piss. Never tried it. You look like a smart guy. You want to make some money? Yes? I need to hire a thief. What do you want stolen? The baker at number 15 keeps dime. 100% pure. In one of the ovens. What do I get if I help you? 50 credits each vial. The place has booby traps. Otherwise, I would break in myself. I'll check out the bakery. Like I said, building 15. Right. Ça m'intéresse. Parce que j'ai déjà du zim, alors. Du zim dans l'un des fourneaux. The bakery is owned by Sicilians. This is how they do drop-offs in the Champs-Élysées. Ah. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Récupérez le zim dans la boulangerie et vendez-le à Renault. Oh. I do not wish trouble with the mafia. Get there first and avoid being seen. Ça me plaît comme mission. L'autre il me dit ignorer les voyous. Tiens, mon cul que je les ignore. Wouah, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Mais oh, code de l'hôtel. Ah bah oui. Pardon, j'en rote de joie tellement que ça me remue l'estomac. Tiens, Renault, un cadeau. Oh merde.
J'ai failli tuer un mec. Oh le con. Faut que j'arrête les conneries. Police spéciale, inspection des chambres, tous à poil, c'est pareil. Oh, les pétales du crépuscule, de Charles-François Guillermo. Et il trouva ainsi son chemin dans la nuit, à travers les rues, rampant pour échapper à la lumière de leurs fenêtres et s'accroupissant dans leurs jardins, empruntant les égouts sur leur route pavée et se faufilant entre les grilles, entre leurs grilles, oh là, qu'est-ce que je dis mal. Surveillés par leurs chats et les pigeons perchés de leur ville, et faisant attention à leurs chiens endormis, il s'en alla. Il ne le verrait pas, ni ne se réveillerait pendant qu'il ne... Oh là là là, je recommence. Il ne le verrait pas, ni se réveillerait pendant qu'il s'approcherait très près, mais il frissonnait. Il frissonnerait, murmurant doucement les noms de leurs dieux en rêvant. Leurs sommeils agités, ils se retournèrent pendant qu'ils passaient sous la fenêtre comme un amant regagnant sa chambre à l'aube. Et lorsqu'elle vint, ils s'en étaient allés, loin de là déjà, enfin partis pour un nouveau monde. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Observe your motivations for breaking the arbitrary laws of current government. Do not miss your chance to be one of us and create the new world order. Ah! Les lois arbitraires. Tu parles d'un succès. Coussin de sol. Putain, mais il est beau le coussin. Bon, alors, bande crédit 100. Cellule bioélectrique. Ouais, ouf. Infocube. J'étais à la porte de l'enfer hier soir et j'ai réussi à me faire payer un verre par un abruti de ricain. Et pendant qu'il louchait sur mes seins, je lui ai fauché son numéro d'autorisation bancaire. Oh putain, c'est énorme. Rends-moi service, tire un peu de cash sur son compte et demande à ton mec de me trouver un petit zim. C'est l'extase totale, le nouveau truc de New York. 00-44-18 Morbus 13 Ciao Anne. Je sais pas s'il me reste un terminal bancaire. Ah bah si, que je suis con, il est tout proche. Faut que je bute le mec du MJ12. Ah tiens, c'est... Who are you? Femme de chambre. Excusez-moi. Je vous en prie, madame. C'est la police spéciale. C'est la police spéciale. I clean all of the rooms every day. Putain, mais tout le monde me suit en fait. Daedalus, Icarus. tout le monde est connecté à mon. Bon. Keep moving. Attends, faut que je me fasse le connard de... du MJ12. Si seulement je peux me le faire à la dent de dragon. Alors, c'était quoi le compte? Morbus 13 pour 00-44-18. Morbus 13. Merde. Morbus 13. Morbus 13. Quoi? Montant actuel. Montant que vous souhaitez retirer. 10 000. Mais il est fauché ce con, merde! Numéro de compte 044-18, oui c'est ça. Oh
Ah oui, il y a la caméra de... Porte ouverte. Oh putain, comment j'ai défoncé l'appartement. Ah, mais c'est pas le même appart. Bon crédit. Oh. Sérieux, il y a un chien. C'est quoi ça? Un fusil à pompe. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai pas trouvé là, moi? Mais sérieusement, je peux pas péter un carreau? Enfin, la vitrine en bas, je peux pas la péter? Ouais, ça déclenche l'alarme. Mais après, je peux me prendre des pédards. Oh, Stars! Bonjour, Stars! Bouge, Stars! J'envoie la caisse sur le chien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas eu ta croquette? Bon. Ah, par contre, t'as ta roquette. Pourquoi? Alors là. Infocube. Banque métropolitaine de Paris. 1 rue d'Astor, fondée en 1834. Cher client. Encore du pognon, magnifique. Une récente tentative de piratage me contraint à modifier les mots de passe d'un certain nombre de comptes clients afin de pouvoir continuer à assurer la sécurité totale. Nous vous certifions que votre compte n'a en rien été affecté et que cette mesure n'est qu'une précaution. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec l'avocat client de la Banque Métropolitaine. Compte 0051 autorisation 708. Merci Banque Métropolitaine. Ah ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah. Alors, pardon le chien, pousse-toi. Pardon le chien, in the morning. Hop là. Je balcon à Paris. It's a love. Alors... Putain, ça va faire bientôt 2 heures que je joue, je m'en rends même pas compte. Mais je m'éclate. Alors, la paire de jumelles, je vais l'acheter. Le temps de faire le nécessaire. Accessoire de portée. Ouais, bah avec ça, ça peut être bien. Et il y a l'accessoire de précision. Hop là. Voilà qui n'est pas perdu. Voilà. C'est quoi ça? Ah, c'est juste une poêle. Cuisinez français, messieurs dames. Lavez-vous les mains. Monsieur le petit Stars, que je veux laisser parce que j'ai des missions à accomplir, monsieur Stars. Bon, c'est un beau chien, lui. Tout polygoné, mais tout mignon. C'est vraiment plus. Ah oui, il y a un coffre, mais oh, je vais pas prendre deux. Je vais pas prendre deux tournevis, là, deux crucifix. Non, parce que c'est deux passe-partout pour ça.
Par curiosité, allez. Accessoire charge 1 quand même. Chargeur plasma, munition. Oh putain, accessoire laser. Vous faites chier. Je vous le dis. Merde. Un Sparky. Enfin, Star. Pourquoi je l'appelle Sparky, moi? Oh. Ah, mais je l'ai pas lu, le bouquin. Sens commun de Thomas Paine. Alors, ça m'emmerde, parce que sens commun, si j'ai pas de conneries... historiquement, c'est pas un groupuscule d'extrême droite, sens commun. Comme génération identitaire, un truc comme ça. Ça me met mal à l'aise qu'ils aient pris le nom de sens commun. Enfin bon, bref. Quelques écrivains confondent société et gouvernement jusqu'à ne faire que peu ou pas de distinction entre eux. Ce sont pourtant des entités différentes, et aux origines non moins différentes. La société est le produit de notre volonté, et le gouvernement celui de notre malice. La première participe à notre bonheur en unissant nos affections, le second s'y oppose en limitant nos vices. L'une encourage les relations, l'autre crée la distinction. La première protège, la seconde proscrit. La société est un bienfait sous chaque forme, alors que le gouvernement sous toutes ses formes est un mal nécessaire. Et nos souffrances, qui ne seraient pas pires, mais tais-toi le chien, Stars, là, couché. Et nos souffrances qui ne seraient pas pires si, oh, il est chiant, si nous nous passions de ce gouvernement sont accentuées par le fait que nous en créons nous-mêmes les conditions. Le gouvernement, comme un artifice, est l'apparence de notre innocence perdue. Les palais des rois sont construits sur les ruines des tonnelles du paradis. Car s'ils suivaient les impulsions d'une conscience claire, uniforme et irrésistible, les hommes n'auraient plus besoin de législateurs. Mais ce n'est pas le cas. Ils estiment nécessaire de troquer une partie de cette liberté pour se donner les moyens d'en protéger le reste, poussés à le faire par la même prudence qui les anime lorsque, de mots, ils choisissent toujours le moindre. Ah bah merde, j'avais pas lu ça, dis donc. Ça me fait chier de prendre encore deux passe-partout. Je vais fumer tous mes passe-partout. Je vais pas encore utiliser une glow, puis je voudrais pas tuer le chien. Hein, monsieur Stars? À moins que je vous indique la sortie. Si, je t'indique la sortie. Sors de la pièce. Boudou. Oh non, il est devenu méchant. J'hallucine. Couché, Médor. Non, Stars, t'arrêtes d'être méchant. Il est devenu méchant, ce con. Tiens, allez, vengeance. Ah, c'est horrible. Ah, du rôti de chien. Oh putain, il n'y a plus de carreaux, il n'y a plus rien. Non, allez, le pauvre, je vais pas le... Ah, soupir. C'est rigolo. Mais tu peux pas sortir? Ah. Ah non. Le chien va déclencher la glow ou pas? Ou alors quand je vais fermer la porte, ça va déclencher la... Ah non.
mec. Ah, mais non, mais c'est notre copain, c'est... C'est René. Non mais c'est de la merde mon truc. Voilà, le chien il a bugué, bravo. Bah avec un peu de chance il va pas mourir. On va voir. Ah si il est mort. Bon bah c'était un bon chien. Laser et chargeur. Putain mais c'est énorme. Alors chargeur. Mais je veux bien augmenter la capacité. Ouais bah si tu veux. Laser sur l'épée serait trop drôle. Bon bah voilà, un chien est mort, tant pis. Juste l'illusion. Illusion qui pleure. Alors, fusible, moi je m'en fous du fusible placement. Un robot fait 3 victimes accidentelles. APR Paris-France. Yves-Pierre Adrien, Dominique Vitet et Marie Philibert sortaient d'une fête en ville chez des amis hier soir lorsqu'ils ont été abattus dans la rue par un robot militaire qui les a malencontreusement identifiés comme des terroristes. Depuis l'institution de la loi martiale à Paris, les robots patrouillent régulièrement dans les zones à haut niveau d'activité criminelle équipés d'une base de données visuelle qui ressemble les portraits de milliers de terroristes recherchés, voleurs et autres vendeurs de drogue. C'était horrible, a déclaré Christy Amiel, serveuse à l'enfant terrible. Un café à proximité de l'endroit où le trio a bu un dernier verre pour décrire la fusillade dont elle a été témoin. Le robot n'a pas arrêté de tirer et de tirer encore jusqu'à ce qu'on n'entende plus le cliquetis de son chargeur vide. Puis un soldat a couru jusqu'au poste de contrôle de l'autre côté de la rue pour le désactiver, mais sans succès. Il comptait toujours à cliqueter, essayant de continuer à leur tirer dessus. Le préfet de police, Hubert Dupuis, s'est fait l'avocat de ces systèmes de sécurité automatisés au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin. Les robots sont programmés pour n'utiliser la force armée que si les suspects font mine de résister à l'interpellation. Et même si cet incident est une terrible tragédie, il ne remet pas en cause la capacité des robots à assurer une sécurité maximale pour les Parisiens. Putain, c'est trop bien. Alors, late, c'est un coffee, mocha, hot chocolate, 2 centimes. Comment ça, 2 centimes? Ça serait 2 centimes le chocolat. 2 euros, oui, tu veux dire, oui. Yeah, la boulangerie. C'est verrouillé, on sait pas pourquoi. J'ai coupé. Ta da 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 da
très ambitieux. Oui ! Joli ! Le policier qui reste droit comme un i. Alors ça, j'adore. Bon, attends, j'ai un autre compte bancaire à faire en attendant. Le temps que l'alarme se calme. Merde, non, ah bah oui, il me l'a copié ce con. 05133 Salem 008. 05133 Salem 008. 05133 00533 Salem 008. Ah bah oui, non, j'avais déjà vérifié, c'est vrai. Mais quel con. Ah bah c'est bien, la porte d'entrée est pétée. La caméra aussi d'ailleurs, c'est pas plus mal. Chargeur plasma. Ah, c'est ça. Ah bah putain, j'en ai 17 des flacons de Zim. Je sais pas combien il va me payer, mais il va me devoir beaucoup d'argent. Putain, si Renault m'achète toute la Zim, bon crédit, putain, je l'ai même pas vu. Heureusement que j'ai passé mon curseur dessus. Ah, d'accord. Bon, moi j'ai tout fait péter. C'est la journée porte ouverte dans la... Ouais, dans la boulangerie. Tout est ouvert maintenant, ouais. Alors attends, il est où Renault? Il est au bar. Il est au bar. Il est où le bar? Il est où le bar, enfant terrible? J'ai perdu la localisation. Quoi, l'ovion? Ah oui, il y a cet appart là aussi que j'ai pas fait. Ouais. Attends, je le ferai juste après avoir vu Renault. Merde, il est où le clear the street. Oui, je clear the street. Attends. Ah bah, il est là. Non, c'est pas là. Putain, je me suis trompé. Je suis planté. At the sound of your voice, 400 milliamps will discharge into Gunther's midbrain. Pouf. Et pouf. La putain de machine. Bon, je me suis trompé de chemin. Je suis là pour m'amuser. Oh et oh et. Titalikatan, Titalikatan. Oh et oh et. Je vais gâcher toutes mes balles. Putain, mais j'y arrive pas. Ah, quand même. Putain, j'ai même fait péter les vitres. Oh la vache. Ah, ça vaut le coup, dis donc. Attends, lumière. Cabinet. Cet objet est trop doux pour YouTube. Tu m'étonnes. Vous avez les mains pleines. Il est con, lui. Il y a un étage ou non? Si, il y a un étage. Oh yeah. Oh yeah. Ce petit appart parisien, hein, du bonheur. Oh là là. Ah, même ça, ça a éclaté, c'est bon ça. Dommage qu'il n'y avait pas plus. J'ai fait mon gamin. Alors, bienvenue à Euronet. Euronet. Y a rien du tout. Down, down. Oh, cette cheminée de Paris. Ah merde, je pensais qu'on pouvait entrer, mais non. Alors... On dirait un mignon.
motel en fait. Trop bizarre. This line has been shut down by order of UNETCO. Quoi, l'UNETCO a coupé la ligne? Non mais vous êtes malade. Oh mon dieu. Rose Gauthier. Putain, faut que je dise le truc. This line has been shut down by order of UNETCO. Attends, je vais lire les messages parce que je sens que je vais me prendre la gueule. Alors. Dans l'ordre. Alors, de Andrew Davis sur le net anglais. Tiens, tiens, United Kingdom. À Benoît Gauthier sur le net européen. Alors, c'est rigolo parce que. Putain, mais c'est dingue. Ça fait écho à ce que le Royaume-Uni fait bande à part de l'Europe. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a le Brexit qui a été pris en compte. Alors, soit c'est une mise à jour, soit c'était déjà prévu à l'époque, et alors là, c'est de la balle. Sujet, opportunité d'un nouvel inventaire. Donc c'est Andrew Davis du Royaume-Uni qui écrit à Benoît Gauthier de France, enfin d'Europe, Europe net. Sujet, opportunité d'un nouvel inventaire. Cher Benoît, il y a deux jours, ma branche d'associés à Londres a mis la main sur des composants de modification mécanique de première génération. Ce sont des modèles de Taiyong Medical, ils sont vieux d'au moins 20 ans, mais ont des spécificités militaires et n'ont jamais été déballés de leur emballage d'origine. Ils sont un peu obsolètes par rapport aux standards actuels, mais peuvent avoir une certaine valeur marchande pour le marché nigérien. Les numéros des composants sont blablabla. Ah oui, il est à quantité 2, quantité 3, quantité 6. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir plus vite. Au plaisir de refaire affaire avec vous. Cordialement, Andrew Davis, opération de distribution de Celto Industries. Alors, un autre mail de Rose Gauthier à Benoît Gauthier. Sujet, désolé pour le retard. Petit frère, désolé, cela fait un moment que je ne suis plus revenu vers toi. J'ai été fort absorbé dans mon travail et j'ai oublié de répondre. Merci pour ces photos. On dirait que tu as passé un bon anniversaire. Embrasse Françoise pour moi, elle a l'air très heureuse. Le mari est irritant, désordonné, têtu et malgré tout magnifique. La semaine dernière, nous avons adopté un nouveau chien de sauvetage nommé Joe qui continue de pleurer et de crier toute la nuit. Il ressemble à un croisement de Jack Russell et d'un ours noir. J'ai essayé d'attacher une photo de lui dans ce mail, mais comme tu sais, je suis très nul avec la technologie. Je te le montrerai donc la prochaine fois que tu nous rends visite. Quels sont tes plans pour l'année à venir? Comment va le boulot? Je t'aime, Rose. C'est chou. Alors, autre mail. De Juliette Côte à Pierre Côte. Alors oui, bah, tout est dans le net européen. Sujet, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pierre, cela fait maintenant 2 semaines. J'ai essayé de t'appeler à ton bureau, tes voisins et à la police. Personne ne sait me dire où tu es. Si tu reçois ce message, s'il te plaît, appelle-moi. Je t'aime, maman. Ah, où est Pierre Côte? Oserais-je dire que Pierre touche du bois? C'est complètement con. Bon. Je sais plus. Donc, en haut, il y a l'appart vachement bien. Enfin, l'appart. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de chiottes. Ça doit être la porte là, à mon avis. Oh, ce téléphone me rend fou. Ouais. Et où est Nicolette Duclair? Bon, il est où Renaud, là, dans le bar à la con? J'ai oublié où était le bar.
Ah, c'est pigeon. Et faut que je parte à la rencontre de Renault. Je serais surpris qu'il m'achète les 17 flacons de zim. Sans s'interdire, je m'en fous, j'y vais quand même. J'y vais quand même. Putain, j'ai passé les 2 heures d'enregistrement. Merde, je sais plus où est-ce qu'il est, Renault. Union City Fashion Week. Yeah. Ah bah, new travel restrictions. Consult the papers. Not a good night to be on the street. Shut up, please. I do my job. Voilà. Alors là, ta liasse de billets, tu vas devoir la tirer, mon grand. I busted into the bakery. Excellent. Now do we make a deal? 50 a piece? Ouais, ok. I'll make the trade. Never mind the bartender. He's cool. Here. Take it. Good job. We must work together again when I find out where they will move the drop-off. I'll be out of town. But thanks for the cash. I like the soldiers everywhere. They make my business very profitable. Ah ouais, il m'a acheté les 17 d'un coup. Oh putain. Donc je sais plus, il m'avait dit qu'il me l'achetait 50 le flacon. 17 fois 50. Je me suis fait presque 1000 d'un coup. Je me suis fait 850. Si je calcule bien. Paris by Night, les magnifiques rues du 8e arrondissement. Oh là là. Oh là là, il est trop bien. Oh là là. Oh là là, j'ai donné envie de jeter ça. Alors le barman. Yeah. Never mind. Mais c'est pas grave. Ah bah c'est bien, j'ai pas ramassé de l'Alzheimer pour rien. My advice, get a room and wait for morning. Yes. What is your business tonight? Kill MG12. It's my favorite business. Monsieur. Monsieur mon queue. Oh! Merde, je me suis encastré dans la grille. Hop, 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 hop. Je suis jamais rentré ici. Attends, attends, faut pas que je rigole là. Hop hop hop, jolie poupée. Belep belep. Ah non, il est sévère. Ça va, c'est pas un méchant. Putain, mais c'est quoi cette cour? C'est un mystère parisien. You found the club. The only one to stay open during martial law. They've hiked up the cover, but you will have to pay. Find out if Nicolette is inside. Can I ask you a question? I am not paid to advise tourists. Take it easy. I just want to know if you've heard of Nicolette Duclair. I have no dealings with Miss Duclair. I sweep the streets. That is my life. But you know her? Where would she be this time of night? I don't have money to waste on that place. Number 13. Club La Porte de l'Enfer. Pff, a private club for rich ponies. Number 13. Thanks. If you want Renault, he's in the bar at the hostel. Great. What would I want with Renault? You aren't who he was going to hire. The professional thief? None of your business. Let's just say he doesn't need a thief anymore. Enough talk. Ah, la porte de l'enfer.
boîte de nuit parisienne. Yeah. Merde. Je crois que je vais faire une entrée fracassante. Soirée porte ouverte au club. La porte de l'enfer. Resistance members aren't the only ones fond of the discreet staff and plentiful shadows. Watch your back. Ah bah, les arrières sont grandes ouvertes, hein. Dis donc, la sortie, je te l'ai fait péter. Direct. Oh, les casiers, c'est les casiers, c'est les 10 ans possible. Are you Nicolette Duclair? Oh putain, il y a un poisson qui s'est suicidé hors de l'aquarium. Trop fort. Putain, le poisson, il vit tout seul. Il vit sa vie. Trop. Mais sérieux, ils sautent tous, c'est con. Putain, l'aquarium de fou, toi. Ah, tu joues au basket? Ah, ah, le bordel! Oh! Code de la porte du club ajouté au nano, c'est bon de crédit. Oh putain, c'est un faux cube. Le code de la réserve est 1966. Et j'aimerais bien qu'il ne soit pas utilisé pour les vidéos en douce, les réserves spéciales du patron. Je contrôlerai les bouteilles, signé Louis. Oh! Oh! Tu me colles au dos, salut, Jacques! Le bartender will help you. I am the accountant. Just a few questions. Have you heard of Silhouette? So, you're in that game. Don't say a word. I don't want to know. But for 1,000 credits, I'll give you the address of an arms smuggler who is out of town. Do you need guns? Ouais, je veux bien. Okay. His apartment is down the street, building 11. Wait a minute. I was just there. I'm not paying you for something I already know. Good one. But I wasn't born yesterday. I'm telling the truth. Forget it. We will never do business again. Donc j'ai gardé mon fric en fait. Ça c'est bien, le mec il m'a donné une info et j'ai gardé mon fric. C'est comme ça que ça doit se passer. Je vais aller les défoncer. Oh. Ah oui, la réserve. Merde, il a dit quoi déjà? Je sais plus. 1966. Oh. The French Cave. My love. Of course. Putain. Alors là, je vais faire le plein de tout. Sans crédit, munitions. Oh putain, le vin, trop bien. Des cigarettes. Je suis dans les toilettes des dames. Je me trompe. Alors, où est Nicolette Duclair? Oh. Oh.
I know the bathroom is unisex, but just wait a minute, will you? No, Kara. Tu as du caractère, Kara. En fait, ce sont des toilettes mixtes, c'est assez osé. Mais à Paris, ça m'étonne guère, on va dire. À Paris, di-da-di-di-da-da-di-da-da-di-da-di. Inspection des conduits, Louis. Halt! A minute! L'entrée principale du club. What are you doing? Everything is satisfactory, I trust. Oh, président du club. We remodeled the upstairs. You may have noticed. Many customers wanted quiet areas where they could talk. Yes, I understand. Putain, trop stylé. Have a light? I don't smoke. What's your name? I'm a little busy right now. Hey, can I ask a favor? I'm out of money. Have any spare chips? Broke, huh? I guess you must have snuck in the back like I did. My friends work here. Then you must know all about the place. Oh yes, I used to work in the office. I could tell you anything. How about 200 credits? I could give you the code to the safe room. Ah, j'y suis déjà allé. Already been there. Are you sure? I broke in myself. Looks like that code isn't going to be as valuable as you thought. Oh, great. I really hit bottom this time. That was my last chance to make any cash. I hope you're happy. Maybe you should try getting a job. What else do you want to know? See you around. Oh, je vais pas lui demander où est Nicolas Duclair. Je l'ai trouvé, de toute façon. Trop bien, les zics. Tout, tout, tout. Tout, 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 tout.
exclamation, éclat de cœur. Nicolette. Oh. Oh, je voudrais bien passer une soirée à dîner ici. C'est un endroit fermé, mais il est trop stylé. Ça, ça me plairait de... Oh putain, j'ai... I'm looking for Nicolette Duclair. So? Do you know her? I know her name. I know that her mother called her Angel. You know her mother? It's a friend of her mother's I need to find. Angel. That would make her a fallen angel now, wouldn't it? You must be after Everett. Yeah, Morgan Everett. How did you guess? What makes you think Nicolette would betray one of her mother's closest friends? I helped her friends from Silhouette. Chad will vouch for me. I'm after the people who murdered her mother. You are an assassin or something? When necessary. Go out behind the club. I will talk to Nicolette and perhaps she will meet you there. She will insist that you meet her alone. Ah, derrière la boîte. Cloud? Oh, sorry, my mistake. Derrière la boîte, où je suis en fait. Ah bah ça va, tu t'éclates toi. I love this place. Ouais, je vois ça, Arthur. Get down. Bah alors Arthur, c'est quand tu représentes une émission sur TF1. Go, cat, go. Alright, baby. What's your name? JC. Mysterious. Want to know my initials? How about you tell me something about the people who come here? Anything you like, cutie. 20 credits. Sure. I can tell you about Antoine, the thief. Go ahead. Should I be keeping an eye on my credit chits? He pretends to be a big-time smuggler, but really, he just steals things from the augmentation clinic where his mother works. Everyone's got to start somewhere, I guess. You will find him lurking in a dark corner. I bet he will try to sell you something. Am I telling you what you want to know? Can I have another 20 credits? J'ai tellement de pognon, vas-y. Sure. Who next? Jacques, the accountant? I'm not picky. Tell me about Jacques. He grew up here on the Champs-Élysées. He knows everybody. If you're looking for a particular person... Where do I find him? He is in the office behind the South Bar. What do you say? Another 20 credits? Hello there. Sure. This time I tell you about myself. Okay. My name is Camille. I'm a writer. Yeah. What are you doing in a place like this? I'm working on a novel. If I dress up like a nurse twice a week, I make enough money to write the other 5 days. Not bad. Funny how the traffic of credits brings our dreams and fantasies to life. Every transaction is like a small prayer. If so many men have a thing for nurses, you can be sure someone will be standing right where I am, collecting the offerings. Well, I was buying information. Sure, baby, if you say so. But if my novel ever gets published, that would be 400 pages of pure information. Think you would put down the 10 credits to get it? I'm not much into books. You have to share. Yeah! Trop drôle. As far as I'm concerned, this place could burn down. Ah! Oh! Putain, mais ça a augmenté, le mec! Hey! Keep your weapons concealed. Tu sais. Qu'est-ce que je vous sers? Tu sais, il a parlé en français. Thin crowd. Has martial law hurt business? Hurt business? Hurt business? You can even get on the metro. How can you get to the club without the metro? I came through the catacombs. Oui, oui. The only way is to crawl on your belly like a stinking rat.
That's what we get, stinking rats. Silhouette members, you mean? Rats, and the Gestapo, and they want free drinks. The Gestapo? Gestapo. Not French soldiers. Some of them don't even speak French. Troops at the Metro. Oui, there was a coup. We see the president only on video recording, and sweat is dripping from his mustache because it's obvious. Someone is pointing a gun at his head. You might be right about that. Never mind. Ah là là, le comptable. I bet you think you're pretty smart. Putain, vous avez perdu de ces poissons. Je me crois surtout joueur de basket. Merde! Elle est où la balle? Joueur de basket! Pas mal! J'ai raté la balle. Oui, non, elle est pas dans le frigo. Elle est pas dans le frigo. Alors, elle est où, Nicolette? Stalk. Bah merde alors, elle est où Nicolette? J'ai l'impression d'entendre un hélicoptère. Quoi? Non, vous êtes pas sérieux. C'est quoi ce délire? See if your friend's ready to go. Eh, j'ai pas vu Nicolette. Et j'ai pas piraté les guichets, les dabs. Je sais plus, il y a des dabs dans le coin, je les ai pas piratés. Mais elle est où Nicolette? See if your friend's ready to go. Oui, mais je sais, mais je vois pas Nicolette. Ah, c'est elle. Oh. She decided not to show. I am Nicolette. I will help you simply to make trouble for Majestic 12. It's true, they killed my mother. Do you know why? She was an Illuminatus. The only people MJ-12 has ever feared are the Illuminati. Stanton Dowd said they had fallen from power. How do you know Dowd? I met him in New York. A trusted friend of my mother's. Yes, the Illuminati are wiped out, but Paige still fears Morgan Everett. Where do we find him? One of my mother's many secrets. We'll have to look for clues at my family's château. Sérieux? Je vais faire un château? Non, c'est trop bien. En quoi Everett constitue-t-il une menace pour Paige? Ça, c'est la question. How does Everett threaten Bob Paige? Paige was an Illuminatus. For him, intellect is the foundation of power, and that would make Everett his most dangerous rival. But Everett's the one in hiding. Both the Illuminati and MJ-12 believe that the most intelligent or enlightened human being will inevitably gain power, ultimately seizing the eye in the pyramid and creating the world for everyone else. Kind of secularized version of natural law. Paige has a trained army to protect him. He is still vulnerable. Much of his power comes from secret laboratories, meaning the right person could reverse engineer his whole power base. Let's hope you're right. And that Everett is everything you say he is. Attends pour l'hélicoptère. Wait by the chopper. I'm not quite ready to leave. We don't have all night. Ouais. I'll be quick. Je sais que nous avons un. Non, il y a des terminaux à pirater. Il y a des terminaux à pirater. Il y a un endroit où j'ai pas piraté les terminaux bancaires.
je m'en veux. Clear the street. Oui, détoile. Not a good night to be on the street. Non, ça c'est les infos. Rien. Il y avait une flopée de terminaux bancaires que j'ai pas piraté, merde. Merde, merde, merde et merde. Lui, je l'ai piraté. Ah non, je l'ai pas piraté. Bah tiens. 0 balles. Oh. Merde. Je suis sûr qu'il y en a à pirater. Ça, c'est l'appart de Prout Prout. Et ben, pour le fun, je vais le faire sauter. Na. Rien à poutre. Rien à poutrer. Voilà. C'est l'appartement de René. Hein, René? Come with me to America. Oh, René. René. The pilot says I can bring one prisoner. The United States is no fun. What about the coup attempt? Think about it, though. A small town in the Rocky Mountains, we would be together. Oh, yes, we could find the terrorists that attacked the White House. They could terrorize me and you could help. You raconte une connerie, mademoiselle. Ça, ça a l'air d'être pas mal. Oh, la chaise. Trop stylé, la chaise. Eh oui, l'entrée de la discothèque. C'est là où il y avait des terminaux. J'aurais pu pirater. Ah, ça a soufflé le... Putain, quand j'ai fait souffler la porte de l'appartement, ça a fait souffler ça aussi. Ah, c'est très bien. Banque métropolitaine de Paris. Cher client, ah bah c'est encore un compte. Cher client, adressant d'activité, blablabla. Là c'est un autre compte. Il faut absolument que j'aille dans la discothèque pirater le compte bancaire. Je vais pas fermer les yeux sur du pognon, je suis pas fou. If you're looking for that crook with the weapons, he lives next door. Décidément, vous lancez tout. Hey, this is our apartment. I know, René, I know. Jour, nuit, jour, nuit, jour. What about your mother? She is not prepared for the rugged life in the mountains. Oh là là, ils sont terribles. Putain, j'ai cru que c'était une autre pièce. Il faut que je retourne à la porte de l'enfer. Mais il faut que je pirate les terminaux bancaires. Aïe, merde, je suis en train de me faire mal. Idiot à la fiesta, tu idiot, toute la noche. Attends, je retourne en discothèque et je reviens bientôt. Bouge ton cul, toi. Putain, 2h30 de. Non, non, là je veux bien courir. 2h30 d'enregistrement. À Paris, j'aurais fumé Paris aussi dans tous les sens. Attends, je veux chercher vos terminaux, mes amours. Elle est où votre entrée de discothèque? Elle est là, je crois. Everything is satisfactory, non. I trust. Tais-toi. Oh, c'est trop stylé! Mais elle est trop bien, votre discothèque. Chad's dead. Non. The police are making a clean sweep through the catacombs. He can't hide. Silhouette knows what to do in these situations. I told him this would happen. But he would not let go of his Voltaire delusion. Maybe he is a Voltaire. We don't know. Was Voltaire. You are very good, j'ai l'impression, vous deux. I have some good news for both of you. Chad's alive. You seen him? Where? Is he okay? An American accent. What business do you have with Silhouette? My business is with the terrorists who control the French government. They're planning the same in my own country. What would Lamo Dutin want with America?
The French army had nothing to do with the coup. It was an international paramilitary group called Majestic 12. Hey, what about Chad? How is he? His hideout is secure. I'm working with a friend of his named Nicolette Duclair. She's going to lead me to a powerful enemy of the conspirators. I know Nicolette's friends, and I have not seen you before. I'm going to help her find the people who killed her mother. You're serious about the conspiracy, huh? Of course. I cannot believe she would trust you. Et pourtant, c'est le cas. Hello, tough guy. You talking to me? You use bioelectric devices, yes? Manufacture steroids in your muscles? Nothing as crude as that. But yes, you would be interested in a bioelectric cell for 250 credits. No thanks. Yes. Ah, c'est lui! D'accord. One bioelectric cell, 250 credits. C'est lui qui vole l'entreprise de sa mère. No thanks. Putain. Effectivement. Ah bah j'ai pas dépensé mon fric pour rien, au moins je connais tout le monde. Il y avait un sas avec les guichets. C'était où? Mais non, mais ça c'est la part du comptable. J'en ai rien à... Hein, bon. Merde, elle est où l'entrée? Ah bah voilà, XI, c'est ça. Ah bah c'est ça. Salut. You like the nurse, hein? The nurse on the platform. She's alright. You stay away from her. Camille is a good woman. What am I then? Bad? You sneak into places you don't belong without paying, eh? Am I right? A criminal! Give me the 300 credits, or I'll call the police! Please, accept my apology. Here you are. I spit on your apology, but I will accept your money. Do not try that again! Je l'avais déjà. You think you are so smart. De toute façon, les 300 boules, je vais les récupérer. Alors. Ah, attends! Non, mais je suis con! Parce que j'ai un code à faire essayer. Aramis 01 pour 002639. 002639. Aramis 01. Merde, bah alors.2639 Aramis 01.
Ah, c'est moi qui avais pété le... Bon, bah allez, j'en ai marre de Paris. Je me barre avec Nicolas Duclair. Ready? Ready. Let's go. You trust the guy in the helicopter? Bah oui, Jock. That's Jock. Don't worry, he hasn't let me down yet. Come on. Allez, Nico. On y va, Jock. Let's hit it. Putain, mais comment il a fait pour maîtriser l'hélicoptère? Attends, je rêve ou c'était Gunther? Je rêve ou c'était Gunther? Putain, j'ai envie de recharger rien que pour le provoquer, mec. Le château de Clara. Attends. Il y a quelque chose qui me perturbe. Ouais, je vais sauvegarder ça. Parce que je suis en train de me dire. Ouais, ça a tout pété, trop bien. Voilà, clac, clac. Là, je sais plus s'il y avait un truc, je crois pas. J'avais pris ce que je voulais prendre de toute façon. Ouais, pistolet lacrymogène, ouais. C'est pas pour un pistolet de chiottes. If you're looking for that crook with... Hey, this is our apartment. Come with me, s'il vous plaît. Okay, time for you to go. What about your mother? She isn't... I said get out! Leave us alone. This is what would happen. Finding nothing but pine cones and snow. Bon, je vais laisser les amoureux entre eux. J'ai rien oublié, on est d'accord. Oui, mais faut que je me retape les conversations dans la discothèque. C'est ça qui est con. On est d'accord, si je me retape le 2639 Aramis 01. Ah merde, j'ai déjà piraté. Mais il était où Gunther? Parce que non, tac tac, je me pars, il est arrivé. C'est-à-dire que Gunther était quelque part dans Paris? Si je croise Gunther, je peux le buter. Je vais pas dire non. Do not force me to report you. Oh l'autre. Je vais recommencer, mais à mon avis, c'est un échec. 02639 Aramis 01. C'est ça. C'est un échec. Thank you.
C'est bien. Rien qu'en piratant les terminaux à l'entrée, j'ai largement de quoi payer deux fois l'entrée à la discothèque. You like the nurse, hein? The nurse on the platform. She's all right. You stay away from her. Camille is a good woman. What am I then? Bad? You sneak into places you don't belong without paying, eh? Am I right? A criminal! Give me the 300 credits or I'll call the police. Make me. No. You will pay. I will make you pay. You sneaky swine. Pay the 300 credit cover or I will report you to the police. Make me. No. You will pay. I will make you pay. Oh, je vais être gentil, je vais l'assommer. Oh, il avait un passe-partout. C'est bon, ça. Mais j'ai envie de dire, c'est mieux quand ça se passe comme ça. Pretty lady, please, keep your weapons concealed. Alors... Hello, tough guy. You talking to me? You use bioelectric devices, yes? Manufacture steroids in your muscles? Nothing as crude as that. But yes, you would be interested in the bioelectric cell for 250 credits. J'ai fait tomber ma bouteille, moi, je crois. No thanks. Merde, j'ai plus ma flotte. Chad's dead. No. The police are making a clean sweep through the catacombs. He can't hide. Silhouette knows what to do in these situations. I told him this would happen. But he would not let go of his Voltaire delusion. Maybe he is a Voltaire. We don't know. Was Voltaire. Ah, merde. Chad knows exactly what he is doing. He will be a great hero in French history. A martyr, maybe. Not a philosopher. He's quoted all over the world. Slogans, antiques, no contract social. Ideas take many forms. He recycles the past. It is nothing special to be a reactionary who tries to revive the same old rhetoric. Political freedom is rhetoric? A necessary deception of the industrial age. A realization, rather, of the value of a human life. Human life was valuable only in one sense. Suddenly, any person was a unit of labor in the factory system, roughly equivalent to all others, and was therefore a transferable resource. It was the greatest age this planet has ever seen. The age of invention, of self-reliance, of the individual artist. And transferable resources must be free to move about in response to market forces. That's freedom. Now that most people don't produce anything of value. You're talking about the inherent worth of an individual, not economic utility. Now that only a few people create wealth, the scientists, engineers, bankers, and so on, we require an arrangement of the few over the inert mass the rest of us have become. A nation's government does not have to bow down beneath economic laws. That is where we differ. I believe the evolution is always in that direction. I have some good news for both of you. Chad's alive. You've seen him? Where? Is he okay? An American accent. What business do you have with Silhouette? My business is with the terrorists who control the French government. They're planning the same in my own country. What would L'Arme du Temps want with America? The French army had nothing to do with the coup. It was an international paramilitary group called Majestic 12. Hey, what about Chad? How is he? His hideout is secure. I'm working with a friend of his named Nicolette Duclair. She's going to lead me to a powerful enemy of the conspirators. I know Nicolette's friends, and I have not seen you before. I'm going to help her find the people who killed her mother. I cannot believe she would trust you. You're serious about the conspiracy, huh? Oh, mon Dieu.
parler avec lui. Qu'est-ce que je vous sers? Never mind. Qu'est-ce que je vous sers? Never mind. Ready to go. Do not force me to report you. C'est un chic. Mais il est où, Gunther? Merde. Où qu'il est, ce con? Clear the streets. The metro is closed until further notice. Vous avez pas Gunther là? Oh. New travel restrictions. Answer the papers. L'arc de triomphe. What is your business tonight? À la recherche de Gunther pour le l'autodétruire. Voilà ce que je fous. Il est où, Gunther? Attends. On va devoir les conteneurs à tout le bordel, t'as l'impression que tu peux. We have reports of terrorist activity. Stay inside. Ouais, non, y'a rien. Laisse tomber. Stay inside. Bah merde alors! Ah. I never heard of anything called silhouette. I'm in my own business. Not a good night to be on the street. Only a few businesses are open. Ouais, allez, je me casse. Non mais Gunther là dans le baba, laisse tomber. Ready? Go! Wait by the chopper. Merde, non. We're not quite ready to leave. J'ai une connerie. We don't have all night. I'll be quick. Ready? Ready, go. Let's go. You trust the guy in the helicopter? That's Jock. Don't worry, he hasn't let me down yet. Come on. Juste pour le fun. Let's hit it. Gunther s'est mangé ma grenade. Trop drôle. Pas grave, je rechargerai quand je ferai la suite. Mais je suis content qu'ils soient mangé ma grenade, ce con. Oh merde, j'allais faire tomber mon instrument. Allez, je jouerai un autre jour, c'était vachement bien. Putain, mais aujourd'hui, je crois que j'ai joué presque 5 heures cumulées. Oh, il y a de l'abus. Mais c'était trop bien.